Bienvenue sur la nouvelle radio Tour Eiffel. Ce soir, nous vous proposons « Sur la route du silicium, civilisation », saison 2, épisode 3, « L'aube des naufragés », présenté par Léno Concorde. Réalisé par Seb Joncou, avec Philippe Aufort, Élise Cancès, Marie de Holm, Éric Pfaff, Didier Roy et Thomas Aufort. Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la route du silicium, civilisation. Je suis Léno Concorde et voici l'aube des naufragés, le troisième chapitre de la seconde saison de notre aventure. Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité, chères auditrices et chers auditeurs. Merci encore à celles et ceux qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives. Être écouté par le plus grand nombre de personnes différentes aux quatre coins du monde est notre but. Comme vous le savez, la nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous raconte l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère Tully Eiffel il y a déjà 69 ans. Nous étions en 2173, comme l'on disait alors. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du silicium en compagnie de l'égide Pierre Lazare et du destrier Ghazlan Ghazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée, guidée par la palefroie Karakoum, a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Lors de son aventure, Tully a pris des notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Aujourd'hui, Tully est dans les quartiers de l'équipage féminin, assise à un écritoire. Comme à son habitude, elle tient son journal. Elle y écrit ses souvenirs, les meilleurs, ainsi que des notes sur les lieux et ses rencontres les plus marquantes. Son fidèle carnet rouge est maintenant bien rempli. Depuis son départ de Paris au tout début de l'année 2172, elle a essayé, dès qu'elle en a trouvé le temps, de coucher par écrit ce qu'elle craignait d'oublier. Nous sommes maintenant au printemps 2173. Elle feuillette le manuscrit et rêve à ses aventures passées. Mélancolique, un vieux poème lui revient alors en mémoire. Elle inspire profondément. Enfin, elle déclame comme à son habitude. Où fait-il bon même au cœur de l'orage? Où fait-il clair même au cœur de la nuit? L'air est alcool et le malheur courage, car au cassé l'espoir encore illuit. Rien n'est si pur que son front d'insurgé. Rien n'est ni fort, ni le feu, ni la foudre, que mon Paris défiant les dangers. Rien n'est si beau que ce Paris que j'ai. Rien ne m'a fait jamais battre le cœur. Rien ne m'a fait ainsi rire et pleurer, comme ce cri de mon peuple vainqueur. Rien n'est si grand qu'un linceul déchiré. Paris, Paris soi-même libéré. Paris, Louis Aragon. Je ne sais plus quand il l'a publié. J'imagine après la Seconde Guerre mondiale. Si j'étais à la Bibli, Alexandria me le dirait sûrement. Lazare frappe à la porte de la cabine. Tully, t'es là? Viens voir ça, c'est pas banal. Tully s'interrompt. Son stylet de bambou reste suspendu entre deux mots. Sa pointe biseautée est mouillée d'encre noire. Elle luit à la lueur des lanternes de la cabine des femmes. Vraiment? Je bosse là. Je viendrai plus tard, j'ai pas envie de sortir. J'ai assez vu de vagues et d'eau pour toute une vie. Le bateau trésor me sort par les yeux. Ça fait 7 interminables semaines de mer que cette sirène maléfique nous a maraboutés. La mer de Plastoc me sort par les yeux. Tu me sors par les yeux. Tout le monde me sort par les yeux.
Non mais lâchez-moi les basques. Oui, moi aussi je t'aime très fort. Prends ton cul en poignée et viens voir. S'il te plaît. La Parisienne se lève de mauvaise grâce en traînant les pieds comme une adolescente de 15 ans, interrompue par son papa. Elle ouvre la porte en tirant la tronche. Il y a intérêt à ce qu'il se passe un truc de dingo, mon coco. Style des extraterrestres qui attaquent ou que ce rafio de merde soit en flamme, ou que vous ayez fait des gaufres. Ou que nous soyons arrivés à Paris et que l'on voit déjà la tour Eiffel. Les deux amis sortent sur le pont de la jonque de haute mer. Un petit groupe est rassemblé à tribord et s'extasie. Tilly se fraye un passage et découvre à quelques bras du navire une forme immense et superbe. Sa couleur presque bleue tranche avec la grisaille de la mer du Nord. Tilly se frotte les yeux, elle ne comprend pas ce qu'elle voit, tellement la merveille est miraculeuse. Nom de nom, une baleine bleue ? Elle commence à doucement pleurer tellement l'émotion et la surprise sont fortes. Une baleine bleue et son baleineau. Gazlan et Kara accourent-elles des poulains curieux. Laissez passer, laissez passer. T'entends pas penser, très cher. Tout le monde se retourne, effaré, et laisse passer les deux chevaux parisiens. Mais il n'y a plus de cétacés depuis des décennies. Cétacés, s'écria la baleine. Moi, je n'avais jamais placé cette blague à propos. La classe, elle est de mon grand-père. Alors, tu lis ? Ce miracle est-il assez miraculeux pour justifier de sortir de ta caverne ? Mais oui ! Capitaine, mais quelle taille fait cette géante ? Le capitaine se concentre et plisse les yeux un instant. Eh bien, Madame Eiffel, cette femelle mesure 29 mètres et 90 centimètres. Elle pèse environ 199 tonnes. Et probablement un des plus beaux spécimens de son espèce. Elle fait presque la longueur du bateau trésor. Elle lui rend à peine 20 mètres. Qu'elle est belle! Qu'elle est noble! Et si elle a un petit, il y a aussi au moins un mâle. Jamais je n'ai pensé voir un mammifère marin de ma vie. Encore moins un rorqual bleu. Je peux mourir maintenant. Le reste sera du bonus. Le petit baleineau fait 7 mètres de long. Il tète sa mère et joue auprès d'elle, bien en sécurité, entre ses nageoires pectorales. Le temps suspend son vol. Vous croyez que l'on pourrait nager avec eux ? Ce serait tellement magique. Et vous comptez remonter comment à bord après votre baignade, Karakoum ? Par un ascenseur magique ? Tout le monde a le droit de rêver. La baleine superbe donne quelques coups de queue et commence à rouler sur elle-même. Puis s'éloigne lentement en restant entre deux eaux. Arrivée à une centaine de mètres de distance, la géante plonge et montre son immense queue bleue et sa nageoire caudale de 7 mètres au moins. Instants éternels. Elle disparaît. Nos héros sont toujours émerveillés. Lazare a passé son bras tigré sur les épaules de Tully. Nous chérirons ce moment à jamais. Branle bas ! Branle bas ! Abattez les voiles ! Un grain ! Il n'y a pas de nuages, il fait beau ! Je n'ai pas vu venir la tempête ! Ce beau temps et cette baleine m'ont diverti mes responsabilités ! Attachez tout ! C'est un grain blanc ! La pression atmosphérique s'effondre, avalez votre salive et garde à vos tympans. La rafale descendante va atteindre les 300 km/h. C'est le vide spatial lui-même qui aspire notre air. Nous sommes perdus! Le vent atteint une telle force qu'il devient presque impossible de respirer. Les tympans de chacun saignent, torturés par les basses pressions. Les passagers sont quasiment sourds. Dans une rafale encore plus démente, les trois mâts cèdent les uns après les autres et écrasent marins et soldats, bordages et cabines. La nuit tombe en un clin d'œil et seule une lune gibbeuse à la lumière blafarde des chiches éclaire le cataclysme maritime. Le processeur quantique ! Dans ma cabine, sous ma banette ! Lazare et Tully luttent contre la tempête pour approcher des cabines, mais les vagues sont maintenant colossales. Vague scélérate ! Sans qui peut ! Vague scélérate ! Tully prend alors la main de Lazare et passe sa jambe dans un cordage attaché à une bite d'amarrage. Soudain, une vague de plus de 25 mètres de haut balaye le pont et emporte tout. Kangal, les deux chevaux et de nombreux membres d'équipage sont emportés et disparaissent corps et biens à la baille. Kangal ! Non ! Tully et Lazare se noient, écrasés par la déferlante. Leurs poumons se vident sous le choc. Je te tiens ! Ne me lâche pas !
Soudain, une douleur foudroyante déchire la jambe droite de la bibliothécaire. Le cordage providentiel arrête net la dérive des deux Parisiens. La vague monstrueuse les abandonne sur le toit du château arrière, en ruine. Il faut retrouver ta cabine et le processeur. Maintenant ! Oui, la jonque t'en a plus pour longtemps avant de couler. Suis-moi ! À quatre pattes, les deux Parisiens cherchent un passage où se faufiler dans la toiture déchirée des cabines. Là ! Ils se glissent dans l'obscurité totale qui règne à l'intérieur de la jonque mandarin. À tâtons, les yeux fermés pour voir avec ses doigts, Tully progresse, brinque-ballé au milieu des débris et des immondices. C'est ma porte ! Ah, cette saloperie est complètement bloquée ! À trois, un, deux, trois ! Leurs deux épaules à l'unisson orbitèrent la porte récalcitrante. Tully, telle une valkyrie, s'engouffre dans sa cabine et cherche au jugé l'étui de transport en cuir renforcé du processeur quantique. Rien ! De nom, il n'est plus là ! Soudain, le bateau trésor s'ouvre et se brise sous l'assaut des vagues géantes. Un débris frappe Tully en pleine figure. Le pont se dérobe sous leurs pieds. Je l'ai ! Cette saloperie m'a pété le nez, mais je l'ai ! Prends ma main ! Il se saisit d'un bout et lie leurs deux mains ensemble. La jonque sombre, les laissant seuls au monde en pleine tempête. Je suis épuisé. Pierre. Je pense que tu devrais me détacher. Je vais me noyer. Pas question. De toute façon, sans toi, personne ne saura quoi faire du processeur. J'y arrive plus. Adieu. Désolé, Tully. Pardonne-moi. Minute papillon. Vous avez demandé une monture ? On vous cherche depuis des lustres. Quand Gal est monté sur Gazlan, il est tout excité par les événements. Kangal, Adada. Nos cinq amis dérivent alors ensemble. Karakoum soutient Tully et Gazlan Gazal son égide et le chien au grand cœur. Les heures passent et le grain blanc se calme avec l'aube. La mer du Nord, après avoir essayé de les tuer tous les cinq, les abandonne sur la grève d'une terre salvatrice. Les naufragés émergent alors de la mer qui leur a pris leur navire, son équipage, ses soldats et même son capitaine. Affalés sur la grève d'une plage déserte et solitaire, frissonnants et rompus de fatigue, ils reprennent lentement leur souffle si faible. Le ciel tempétueux se dégage et le soleil royal apparaît et vient réchauffer les survivants de ses rayons bienfaiteurs. Tu ne m'as pas lâché. Tu n'as pas lâché le processeur. Et vous trois ? Sans vous ? La messe était dite. Il me reste mon sabre. Merci à la Providence. J'ai mon bout de feu. Un grand feu gronde. Tully et Lazare sont à poil. Ici, pas de chichi. Il faut faire sécher les vêtements et les chaussures. D'un geste expert, Lazare, le lutteur, remet en place le nez cassé de Tully. Oui, oui. Je vais passer pour une boxeuse maintenant. Quelle belle flambée. Je n'ai jamais eu aussi froid. Mes os ne se réchaufferont jamais totalement. Par contre, contrairement à toi, Pierre, il ne me reste rien. Bye bye mon arc, ma dague, mes soumes. Oh, non ! J'ai même perdu mon carnet rouge. Life is a bitch. Indeed. Le capitaine Vladimir Obroutchev sort alors des eaux comme si de rien n'était. Son fidèle couvre-chef est toujours vissé sur sa tête. Un large sourire triomphant lui barre la figure. D'une grande poche de son manteau, il révèle le fameux carnet rouge de Tully. De son flanc saille une pièce d'accastillage en métal brillant, un chômard brisé. Capitaine ? Capitaine ? Vous êtes blessé ? Capitaine ? Vous êtes blessé ? Et ce n'est pas un petit coup de vent et une écharpe qui vont avoir ma peau. Madame Tully, il me semble que je détiens un bien qui vous est cher. Le vieillard boiteux, lentement, rejoint le groupe autour du feu. Formidable ! Merci, Vladimir ! Tully embrasse le carnet rouge et danse en le serrant dans ses bras. Tout le monde bondit de joie. Les Parisiens sont de retour. Vous êtes sûr que ça va aller, Vladimir ? Sauriez-vous où nous sommes ? Mais certainement, cher équidé, mais... Laissez-moi m'asseoir auprès du feu. J'ai grand froid. L'ancien capitaine semble bien affaibli, mais
Il se concentre et fait appel à ses talents maritimes, hérités des milliardaires. Il ferme les yeux et porte la main à son front. Nous sommes précisément par 50 degrés, 44 minutes, 46 secondes nord, 2 degrés, 15 minutes, 42 secondes est, sur la plage de ce qui était la ville de Saint-Omer avant la chute. À quelle distance sommes-nous de Paris ? Eh bien, je dirais que nous sommes à 232 km de piste environ. 2 jours ? Oui, mon petit. Vous êtes à 2 jours de chevaucher de Paris. Il fouille lentement les poches de son long manteau de capitaine et en sort sa pipe en ambre. Puis, il attrape une brindille enflammée et l'approche en tremblant de la chambre de sa chère bouffarde. Il tire une latte et souffle un beau nuage blanc. Mon royaume, pour un dernier verre de vodka. Le capitaine s'allonge lentement et son dernier souffle le quitte. Un sang noir coule de son flanc. Capitaine ? Capitaine ! Capitaine ! Lazare ferme les yeux du vieux marin. Bon vent, l'ami. Au revoir, Vladimir. Kangal rend un dernier hommage au marin. Pas le temps de s'apitoyer. Nous serons bientôt chez nous. Paris, nous voilà. Nos voyageurs sont épuisés. Cette traversée, qui devait être morne et monotone, s'est avérée pleine d'épreuves et de morts. Pierre, Tigre, Lazare, Tully, Eiffel, Gazlan, Gazal, Karakoum et Kangal, nos chers héros, s'en sont sortis de justesse grâce aux qualités exceptionnelles de chacun. Paris est maintenant à portée, mais Tully n'oublie pas que la ville est assiégée. Dans 2 jours, comment trouveront-ils la ville qui les a vus naître ? Et Alexandria ? Est-elle toujours en vie ? Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs, à côté de vos postes à galène. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lino Concorde. Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Aufort. Tully Eiffel est joué par Marie de Holm, Pierre Lazare par Eric Pfaff, Gazlan Gazal par Didier Roy, Karakoum est interprété par Élise Cancès et le capitaine Vladimir Obroutchev est joué par Thomas Aufort. S'il vous plaît, parlez de notre mission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes très bientôt pour le prochain épisode de Sur la route du Silicium, Civilisation